Et voilà, on est prêt pour le farm dating. Tout est là, installé à la chambre d'agriculture, dans le hall de la chambre d'agriculture, pour vous accueillir pour les rencontres en tête-à-tête, ici. Estelle Paillard qui vous accueille pour le répertoire départ-installation. Et ici, la salle dans laquelle nous allons faire les rencontres en tête-à-tête entre cédants et repreneurs. Journée dédiée à la transmission des exploitations bovines hier dans l'Indre. La Chambre d'agriculture organisait des rencontres sur le mode du speed dating entre des éleveurs d'un côté et des candidats à l'installation de l'autre. Colette Aubert et Coralie Pierre y étaient regardées. Ils n'ont que 7 minutes pour voir si le courant passe bien. Et cette fois, ce n'est pas pour faire des rencontres amoureuses, mais pour parler affaires. 9 éleveurs bovins qui cherchent à s'associer ou à vendre leur exploitation rencontrent 10 candidats potentiels. À voir si les projets de l'un et de l'autre peuvent matcher. Evan vient de finir ses études agricoles. Il cherche à s'installer et vient pour la première fois. Lorsque la cloche retentit, il faut changer de place. Devant cet éleveur basé à Cluis, les candidats se succèdent. Je dirais qu'on a eu des bons feelings, les gens ils ont l'air intéressés. Et comme je suis un passionné, j'ai réussi à faire passer ma passion. C'est la quatrième fois que la Chambre d'agriculture organise un tel événement. Une façon de donner plus de visibilité aux exploitations de l'Indre. On a quand même 2/3 des sessions qui sont reprises par des nouveaux exploitants. On n'est pas plus, pas moins attractif. La difficulté, c'est de mettre en face les demandes et les offres. Et travailler pour que ça tombe, voilà, que ce soit en corrélation et en face avec les demandes et les offres de chacun. À la fin de l'après-midi, l'heure du bilan sonne et c'est un succès. Je suis très heureux, j'ai rencontré des gens qui avaient l'air intéressés, passionnés. Oui, une opportunité qui m'a intéressé parce que j'ai vraiment eu un échange, un vrai échange avec l'exploitant. Pas d'affaires conclues aujourd'hui, mais des numéros échangés dans l'espoir de trouver repreneur.